Ça doit être bon pour boire longtemps de même. Alors bonjour tout le monde, on est le lendemain et oui, j'ai bien l'intention de continuer cette vidéo en français. On avait bien commencé en français, à un moment donné je me suis mis à parler en anglais, donc on va revenir au français et je vais mettre des sous-titres là-dessus. Mais je voulais aussi faire un effort parce que j'ai des nouveaux abonnés francophones et c'est très apprécié. J'ai chaud avec ça, man. Il faut que je me change. C'était ma dernière chance de porter mon super crop top hoodie Merry Christmas qui en passant... Moi et Mary, on est assortis, on match. Lui aussi porte son gilet rouge, Merry Christmas. Mais non, j'ai vraiment trop chaud. Je vais mettre autre chose. En passant, oui, on est le 7 janvier. Et maintenant, je vais ouvrir mes cadeaux de Noël. Allons-y, sans plus attendre. Ouvrons la poche du Père Noël. Il n'y a pas juste des cadeaux pour moi. Il y en a pour Mary et c'est un petit quelque chose pour Pancho. Hein, pour moi? Ben oui, franchement, Pancho, tu pensais pas qu'on t'avait oublié quand même. Ouais. On va fouiller au hasard. Et là, c'est sûr que c'est tous mes cadeaux de moi à moi. Je vous ai montré dans les vlogmas précédents ce que mes amis m'ont donné. Et je vais recevoir un paquet de la part de ma weirdo sister, mon amie Jill, qui habite en France, et elle m'a dit qu'il y avait 8 ou 9 cadeaux dedans, mais j'ai décidé de les garder pour ma fête, parce que mon anniversaire, c'est dans 3 semaines, c'est le 17 janvier. Hint, hint! On a encore notre P.O. Box, si vous voulez m'envoyer une carte de fête, ou un petit cadeau de fête, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affichera sur l'écran, parce que quand on prend une boîte postale, c'est pour un minimum de 3 mois. Donc, j'ai dû la prendre pour décembre, janvier et février. Alors, autant maximiser mon investissement parce qu'on a reçu juste 2 cartes de Noël pour notre échange de cartes de Noël international. Si vous avez envie, évidemment, ne vous forcez pas pour que ça vienne naturellement. Alors, vous êtes prêts? On pige. Et là, c'est sûr que je m'en rappelle. C'est quoi, là? Je ne les ai pas trouvés tellement d'avance, mes cadeaux, cette année. Et on vous rappelle qu'il y a des cadeaux de Noël, de moi à moi, que je n'ai pas emballés. Donc, il y avait mon nouveau manteau d'hiver, mes nouvelles bottes d'hiver, mes cache-cou et ou bandeaux de Svalbard et Pyramiden, et ma camisole 100% cachemire que je porte en ce moment. Et aussi, et le roman « Tant que le café est chaud » de Toshikazu Kawaguchi. Non, je ne l'ai pas retenu par cœur son nom. Je l'ai lu, il est marqué en arrière du livre. On dirait que j'ai plus de fun à parler en français, non? On va continuer ça. Ça coule plus de sources, mettons. Alors, premier cadeau. Qu'est-ce que c'est? Attention. C'est le fun d'éballer des cadeaux. Vous allez peut-être trouver ça con en disant, si t'achètes des affaires, t'es emballé. Mais oui, c'est le fun! C'est le fun! Si toi, tu ne trouves pas à le faire, ben fais-le pas. Mais moi, honnêtement, ça me fait triper. Et ce qui serait encore plus cool, ça serait que je commence à trouver mes cadeaux pour le prochain Noël au début de l'année, en janvier, février, mars. T'es emballes, t'es mets dans ta pochette. Et rendu en décembre, là, moi j'ai tellement pas de mémoire, je me rappellerai plus pantoute c'est quoi que je me suis acheté. Fait que ça va être encore plus fun. L'année prochaine, Noël 2023, ça va être encore plus trippant que cette année. Et j'ai déjà tous mes vlogmas de prévu, j'ai plein d'idées. Il y a certaines affaires que je voulais faire cette année que j'ai pas pu. Parce que Mary a décidé de foutre mon téléphone dans l'eau. Donc ça a compliqué un peu les affaires. L'année prochaine, ça va être pas mal. C'était cool, là. Moi j'ai aimé ça faire mes vlogmas. Il y en a que j'ai trouvé qui était vraiment pas pire. Un de mes préférés, c'est celui à Lévis, le 12. Et le 4 aussi, celui du marché de Noël allemand. Il y a eu 4000 vues. Ça a vraiment pogné. Super. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais c'est quoi, là. Vous le savez pas, donc... Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi ça. C'est un nœud papillon, mais c'est un chocolat. On dirait qu'il est en métal, hein?
Non, c'est du chocolat. Donc, ce sont des chocolats hyper réalistes en forme de toutes sortes d'objets. Et c'est fait par Ya Chocolate. Y-A Chocolate. C'est un gars, je pense que c'est un Belge, en tout cas, c'est un Européen. Il était au marché de Noël, il fait ça à Ottawa. Mais c'est du chocolat belge en tout cas. Je ne sais pas si le gars il est belge, mais il avait un petit accent européen en tout cas. Et ça a l'air hyper bon, chocolat de super bonne qualité et vraiment l'originalité. Moi j'ai trouvé que c'était le kiosque le plus original avec les produits les plus originaux que j'ai vus de tout le marché de Noël. Il y avait des outils, j'en ai acheté pour certaines personnes que vous allez les recevoir. C'était génial. Vraiment magnifique. Je peux vous en montrer un autre que j'avais acheté pour mon mari parce que je me disais il va peut-être revenir, mais malheureusement, il n'a pas fait le bon choix. Comme c'est un musicien, ben je lui avais acheté la tête de guitare. Alors, tant pis pour toi, mon chéri, c'est moi qui vais le bouffer. Passons. Regarde, le nœud papillon, c'est cool. C'est comme un genre de petite barrette, là, j'en ai souvent de ça. J'avais envie de m'en payer un à moi. J'en ai acheté à 4-5 personnes. Tout est différent. Ça va être bon à manger. C'est comme trop beau, tu sais, je voudrais pas le manger parce qu'il est trop beau, man. Il y a trop de détails. En fait, c'est de créer le moule. Je sais pas comment ils font pour rajouter l'effet doré dessus, là, mais c'est une œuvre d'art. Et ils sont pas trop chers non plus. Je trouve que les prix avaient beaucoup d'allure. Ça, je pense que ça a coûté 12 piastres. Tu pourrais les vendre plus cher. Ça vaut plus cher. On continue. Un prochain. C'est-tu pour moi ça ou pour lui? On va le savoir en déballant. Attention, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, c'est pour toi, Mary. Elle va le déballer pour toi. C'est un cadeau pour Mary. C'est des cadeaux de Noël. C'est le fun, hein? Alors, on va le déballer ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est, bébé, qu'il y a dedans? Oui, j'ai pour toi. Vous ne devinerez jamais c'est quoi? Ce sont des bas d'hiver pour chat. Parce que je remarque que même si c'est un Norvégien des forêts et qu'il serait supposé venir l'hiver, quand il va dehors, souvent, il aime pas avoir les pattes sur le froid. Alors, je me suis dit que j'allais lui acheter des bottes et j'ai déjà essayé de lui mettre d'autres modèles de bottes. Et celui-là, il avait l'air parfait. Premièrement, ils sont assez cool. Ils sont orange, j'imagine. Ils sont vraiment belles. Et en plus, ça avait l'air de pouvoir tenir plus sur la patte que les autres. Parce que le problème avec les bottes de chat, ben, c'est qu'ils se plient la patte puis la botte à crise le cœur. Et ça, il y a une petite strap en velcro, un petit zipper. Ils sont bien faites. Donc j'ai l'impression qu'elles ont plus de chances de tenir sur la patte. Regarde-moi la semelle en dessous. C'est comme une vraie botte pour les humains. C'est vraiment cool. Alors, j'ai hâte de voir. Pourquoi tu vas avoir l'air là-dedans, mais en plus, ça, c'est super beau, ça te fait bien, cette couleur-là, hein? Il y a même des petites fleurs de lys en arrière. Check ça! Hey, c'est super mignon! Moi, j'ai cru un poncho. Veux-tu l'essayer? Hey. On a des parties pour la mort, là. Regarde, amuse-toi avec, puis on les essayera plus tard. Tu ne voulais pas quand même? Suivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est encore quelque chose pour lui? Oui, c'est un autre cadeau pour toi, bébé! Ça aussi, j'ai pogné ça au marché de Noël. Et c'est une entreprise québécoise, ça s'appelle Pilou. J'en ai envoyé à Chrome et Amy, une petite cape doublée réversible. J'espère que j'ai pris la bonne grandeur. Yes, c'est beau, c'est ton modèle préféré! Parce que sa couverte là, dans la chambre, elle, ce modèle-là, j'adore cette couleur-là. Je ne peux pas le play. Peux-tu l'essayer, bébé? On va juste l'essayer pour voir ce qu'elle fait. Oh, j'espère qu'elle n'est pas trop petite. Ah, elle est pas trop petite. Dernier bouton. C'est limite, hein? C'est limite. Ouais, au dernier bouton, elle fait. Ah, peut-être à l'avant-dernier aussi. C'est parce que là, il y a le gilet. J'avais amené mes mesures, hein? Les mesures de Kelly, ben, j'ai pas mesuré Kelly, mais j'ai comme. D'après moi, parce qu'elle est plus petite que lui,
Cruz, tu sais, j'essayais de me dire, ok, la tête à Cruz, c'est genre, c'est gros de même, genre, son cou. C'est un bulldog. J'espère que j'ai bien évalué les grandeurs. Mais ça te fait bien! Wouh! C'est sûr qu'on le verrait mieux sans le gilet, là, mais je vous montrerai plus tard, ok? Magnifique! Wouhou! Okay, prochain... Hey, quand est-ce que je vais avoir un mien? Ouais, ça sent bien, pas une chose, le sucre dedans. Yeah! Ok, attention. Tu sais, il y en a certains que je me souviens plus, c'est quoi, là. Honnêtement, là. C'est moi qui les ai emballés, là, 2 jours. Alors, ça, c'est quoi? Ah, c'est encore quelque chose pour lui, c'est son dernier, il y en a 3. Et ça, ça devait arriver pour l'Halloween, mais vu que ça arrive d'Ukraine, ça a pris plus de temps que prévu, donc c'est arrivé trop tard. Mais anyway, on n'a pas fêté l'Halloween parce qu'on avait trop de choses à faire avec le storage locker. Il pleuvait à Vancouver, donc on n'a rien manqué. Au pire, on le prendra l'année prochaine. C'est un produit d'Ukraine. Ça vient d'une boutique Etsy, All Cats Good. Justement, c'est écrit dessus. Regarde le beau petit emballage, bébé! C'est beau avec des pattes de chat. Ils font des produits pour chat, ils font des harnais. Et notamment, ils font des chapeaux pour chat. Et je me suis dit, ben, c'est cool, ça va bien lui faire. Et en plus, ça aurait pu être son déguisement d'Halloween. En plus, on n'a jamais reçu le déguisement d'Halloween de Pancho. On l'avait commandé sur Amazon, on ne l'a jamais reçu. Donc, tu sais, l'Halloween 2022 pour nous autres, c'était pas dû pour arriver. Je vais pas trop briser, mais c'est tellement beau. Ouais, c'est tellement cute comme papier. Donc, ouais, même si cette boutique est située en Ukraine, ben, il y a certaines parties de l'Ukraine qui ont été plus affectées que d'autres par la guerre. Donc, apparemment, tu sais, j'ai dit, c'est pas grave, là, mais t'es pas en danger pour aller. Dans un bureau de poste, même aller un chapeau pour chat, là, tu sais, c'est ta sécurité qui compte en premier. Mais apparemment, elle était capable de le faire. Mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Et ça m'a fait plaisir d'encourager une personne en Ukraine. Je préfère donner mon argent directement aux gens plutôt que de passer par des organismes de charité parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils font avec. Il y a toujours une partie qui va dans les frais d'administration. Comme par exemple, moi, quand ça a commencé le conflit en Ukraine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué en guillemets, un Airbnb en Ukraine pour une semaine, mais évidemment que je ne suis pas allée rester dedans. Mais l'argent était directement à la personne, en plus que Airbnb avait enlevé leurs frais. Donc 100% de la somme est allée à la personne, c'était genre 200$, c'était vraiment pas cher. Mais pour la personne, ça a pu faire une différence. Et ça vient même dans une petite pochette. Oh wow, il y a une carte avec. Et la créatrice, elle s'appelle Anna. Wow, c'est beau bébé, c'est une belle carte, c'est mignon, hein? C'est pour toi, ça, bébé. Alors, on va y essayer. Ça va te faire beaucoup de linge sur le dos, hein? T'as 3 items. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Donc, c'est une petite casquette de Sherlock Holmes. C'était ça son déguisement d'Halloween, c'était Sherlock Holmes. Alors là, on vous l'a dit, fait que vous allez le savoir pour l'année prochaine. Là, c'est sûr, ça va pas avec ton gilet. Ça va pas bien ensemble. Les oreilles vont dans les trous. Regardez! Hey, ça te fait bien, bébé! T'es beau avec ça! Je pense qu'il fallait que tu mettes ça en dessous du cou. Vas-y, c'est ça, ça va dans le cou. Je suis surprise qu'il n'est pas en train. C'est encore avec nous, c'est hot. Tu sais, c'est cute. Wow, c'est hot. Ah, c'est beau, hein? Allez. Pourquoi ça en fait plus quoi, là, par exemple? C'est une petite casquette de Sherlock Holmes. T'es pas salé, Marie. C'est l'enfant martyr, là. Je vais y en enlever une couche, là, parce que mon ami va se tanner, il va partir, mais. C'est ça. C'est une petite casquette de Sherlock Holmes qui a fini par arriver. Donc, C'est bien! Oui, c'est ta toi, ça. Là, on va la mettre là. Un autre, ça. Je vais avoir ça. Fait que lui, il y a eu tous ses cadeaux. En restant, on fait un show. On continue, on continue. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste pas mal des grosses affaires. Ah, ça ici, peut-être. Oh, Pancho, je pense que j'ai pas le tien, là. Ah, ouais. Yeah, je pense que j'ai pas le tien. Alors, il est petit, regarde la couleur.
Wow, c'est totalement dans ma palette. Pour ça, je l'ai emballé de même. Je vais te le laisser déballer. Ah, c'est rose! Mais c'est sûr que c'est rose, Pancho, c'est ton cadeau. Ouais. Ah, wow! C'est un petit frisbee. Ça, ils vendaient ça au café, au Bonté Divine, à côté de la caisse. C'est fait par un artiste local. Je sais pas le nom par cœur, mais vous pouvez aller checker avec ça. On le mettra sur l'écran. Et puis, je sais pas, au début, c'était rose. Hein? C'est vraiment génial! Ça va être beau sur mon nouveau studio. On va se faire un studio YouTube dans mon ancienne chambre. Parce que là, comme vous savez, je dors dans l'ancienne chambre de mon père et mon ancienne chambre à moi, qui servait plutôt de storage depuis les 20 dernières années, ben c'est une chambre vide. Alors, on va s'en servir comme studio YouTube et il y aura un Pancho Corner. Ça va être vraiment génial. Wow, merci. Ben, de rien, Pancho, ça fait plaisir. Alors, on continue. Il te pète un saut. Alors, on continue. Il en reste combien? Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. Attention. Oh, c'est quoi cette grosse affaire-là? Je me souviens pas partout. J'ai vraiment pas beaucoup de mémoire. Puis ils sont beaux. Les choux violets, les mauves. Ah oui, ok. Ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai pris au marché de Noël. Encore une fois. Et c'est une chandelle, mais c'est pas juste une chandelle aromatisée qui sent très bon. En plus, elle est vient dans un pot en verre avec un bouchon en bois que vous pouvoir garder par la suite et mettre des choses dedans. Mais en plus, non seulement c'est des chandelles et elles sentaient très bon, elles avaient toutes sortes d'odeurs pas nécessairement classiques, des choses un peu différentes. Il y a des pierres à l'intérieur, donc pour ceux qui s'intéressent aux pierres, aux cristaux. Et mon Dieu, elle sent tellement bon. Elle sent le café. Ah oui, tu sais, le genre de le café à l'amaretto, là. Oh mon Dieu, elle sent tellement bon. J'ai vraiment hâte de l'allumer. Et c'est ça, t'as des petits grains de café et t'as une pierre. Et chaque différente odeur a une différente pierre qui fit avec. Et j'en ai envoyé une à Gilles. Dans ces cadeaux de Noël qui sont pas encore expédiés, mais qui sont là. Et la mienne, c'est un quartz fumé. Alors, tu vois qu'il est comme smoky un peu. Et l'odeur, ça va être du vin. Celle que j'ai envoyée à Jill, c'était l'odeur de sapin. Et il y avait l'odeur de pomme. Et tu vois que ça va quand même brûler pendant assez longtemps. Elle est quand même grosse. J'ai trouvé ça original, le fait de combiner les pierres avec la chandelle. Et moi, j'adore les chandelles qui sont bons. Next! Oh, ça, je sais c'est quoi. Parce que j'en ai envoyé aussi à quelques personnes et je l'ai aussi pris au marché de Noël. Regarde, Pancho, il y a un beau petit chou rose. Wow! C'est tellement ton style. On va te le mettre à la paille. Yeah! Mon avis est parti. Et ça, j'ai hâte de l'essayer aussi. J'ai hâte de déballer les cadeaux. C'est aussi une chandelle, mais c'est une chandelle mécanique, si on peut dire, dans ce genre de petit moulin. Et quand tu allumes la chandelle, le vent que ça produit, tu sais, ça brûle de l'oxygène, donc il y a un échange d'air qui se produit, ça fait tourner le petit moulin. Et j'ai remarqué que Cecilia Blundell à Svalbard en avait un chez elle, mais ça vient sûrement pas de la même compagnie, mais... c'est quelque chose d'assez classique, je suppose, en Europe. Je pense que ça vient d'Allemagne, le principe de ça. Le marché de Noël allemand. Mais ça doit être vraiment très, très cute. Certaines d'entre vous en recevront. Ça non plus, c'était pas très cher. C'était 20$ cher. Pourquoi tellement les vendre plus cher? Hein? Il reste 3. Alors ça, c'est un peu facile à deviner c'est quoi. Là, parce que par la forme. Et aussi, j'ai donné la même chose à chacun de mes invités. À mon souper de Noël, c'est une barre de chocolat. Je les ai trouvés au café La Finca dans le Vieux-Port de Montréal pendant justement notre voyage en novembre. Ça va être dans les vlogs à venir en janvier. C'était une des deux dernières journées. Je suis allée dans ce café-là. La bouffe était délicieuse. Oh, j'ai mangé une soupe au pois avec des lardons. C'était à se couler par terre. Et ils avaient ces chocolats. Et j'en ai pris une sorte différente pour chaque personne.
et moi, je me suis choisi le chocolat noir au lait d'avoine. Parce que pour mon truc, du chocolat au lait d'avoine, c'est tellement meilleur que du chocolat avec du lait de vache. C'est tellement plus crémeux le goût. Si vous n'avez jamais essayé ça, essayez-le. Même si vous n'êtes pas... Moi, je ne suis pas vegan. Je mange de la viande. Mais pas pour ces raisons-là. C'est juste parce que ça goûte meilleur. C'est vraiment très bon. Il en reste deux. Est-ce que je prends le plus gros ou le plus petit? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ouais, c'est moi, celui-là, je l'avais complètement oublié. Et pourtant, c'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai commandé sur Internet. Pis tout. C'est fun avoir pas beaucoup de mémoire parce que la vie est une surprise continuelle. C'est quand même assez pesant. C'est légit. Non, c'est pas un autre livre. C'est un peu plus pesant qu'un livre comme ça, mettons. C'est dans une boîte. Alors, ça provient de la compagnie Lavender par Aileen Su. Elle a un YouTube channel et elle fait à chaque année un journal. Ça s'appelle The Artist of Life Workbook. Donc, j'ai découvert ça en 2020. J'ai le 2020, j'ai le 2021. En 2022, je ne l'ai pas acheté parce qu'il me restait des pages dans le 2021. Mais là, j'étais due pour en avoir un nouveau et j'adore. C'est un genre de bullet journal ou de planner, si tu veux. J'aime vraiment comment il est fait. Il y a des pages libres. Tu peux faire ton bullet journal toi-même. Et il y a des pages à remplir. Gratitude. Ici, ça, j'adore. Tu peux traquer certaines habitudes, comme par exemple, est-ce que j'ai fait mon workout aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai sorti Marie? Est-ce que j'ai reçu une lettre? Envoyer une lettre, ce genre d'affaires que je traque, vu ça peut être d'autres choses. Et ici aussi, tu peux faire des graphiques pour dire chaque jour, mon énergie, elle était à 1 sur 10, 10 sur 10, 6 sur 10, mon moral, mon humeur, etc. Et tu peux voir les variations tout au cours du mois. Et après, tu peux t'interroger pour te demander, ben, c'est quoi qui a causé ça? T'as tes buts à chaque semaine, tes buts à chaque mois. Au début aussi, il y a des espèces de questions qui t'aident à planifier un peu ta vie, ton avenir, l'année qui vient. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Qu'est-ce que j'ai appris? Etc. C'est vraiment intéressant. Ah, mon thème pour 2023. Avoir du fun. C'est ça mon thème pour 2023. Je veux avoir du fun. Et si tu savais ce que je me suis planifié et booké pour ma fête, je vais avoir du fun. Et vous allez avoir du fun avec nous autres aussi parce que vous allez venir avec nous. Ça va tout être vlogué. Ça va être génial. On va faire plein d'affaires qui auront rapport avec les trains. Ça va être un train themed vacation pour ma fête. Avec ce gars-là, évidemment, il va être la partie. Wouhou! Stay tuned! Comme là, il y a des habitudes que je vais mettre en place, comment je vais faire mon compte. C'est vraiment très, très complet. Ou les excuses que je me donne pour procrastiner ou pour pas faire des choses. Mais quand tu les écris, ben ça t'aide à en prendre conscience et à trouver des solutions. Tandis que si tu fais juste procrastiner, mais tu l'écris pas nulle part, ben comme pas vraiment de raison d'agir dessus. Donc moi, je déteste procrastiner, mais des fois, ça m'arrive. Ça va m'aider grandement. Et je recommande à tous. Et en plus, il est super beau le journal, comme en espèce de petite suédine. Il y a une couleur différente à toutes les années. Elle change toujours un peu quelque chose. C'est sûr, il y a des choses qui reviennent, mais il y a des choses qui changent aussi à chaque année. Et si vous allez sur le site web, vous pouvez voir plus en détail ce qu'il y a dans les pages. C'est un petit peu cher, mais moi je trouve que ça vaut la peine. On est vraiment rendu au dernier cadeau où je me suis gardé le plus gros pour la fin. Il est gros puis il est pesant à part de ça. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Après toi. Êtes-vous capable de deviner? Ça va être difficile pour vous de deviner parce que dans le fond, ce qu'il y a là-dedans, c'est pas nécessairement gros. La boîte est grosse parce qu'il y en a beaucoup. C'est juste une grosse quantité de plusieurs petites affaires. Ok, on va y aller tout de suite. Hey, il est beau mon chou bleu. J'adore les couleurs. T'sais, c'est pas les couleurs traditionnelles. Rouge, vert, or, argent. Alors, viens bébé, viens sur ta chaise. Vous voyez pas là, je vous teste dans le papier. C'est une super grosse boîte. Et ça, je me suis fait plaisir parce que moi, je suis une aficionado.
du vernis à ongles. Je ne porte pas de maquillage, je ne porte pas de fond de teint, je ne porte pas de mascara, je ne porte rien. Ce que tu vois, c'est ma peau. Contrairement à 99,9% des YouTubers filles, je n'ai pas de maquillage. Mais s'il y a une chose que j'adore, c'est le vernis à ongles. Il y a certaines personnes, ils peuvent pas sortir s'ils n'ont pas leur rouge à lèvres. Ben moi, quand j'ai pas de couleur sur les ongles, je me sens pas moi-même. Comme là, tu vois que j'en ai un qui est parti. Ça arrive des fois parce que je mets deux couches de base, donc que ce soit facile à enlever. Là, ça veut dire comment c'est le temps que je change de couleur. Là? Ça fait une semaine et plus que je l'ai. Et on y commence à partir. Ça, ça me fait chier un peu. Mais quand même, je trouve que ce vernis à ongles, qu'est-ce que tu fais, Mary? Je suis en train de manger quelque chose. J'adore mon vernis à ongles, mais je suis très exigeante par rapport à un vernis à ongles. Premièrement, la couleur doit être très flash. Et moi, j'aime les vernis à ongles métalliques. C'est très difficile à trouver, c'est très rare. Des vernis à ongles métalliques de qualité. C'est sûr, oui, tu vas en trouver des métalliques à 4$ au Dollarama, mais ça va te coûter à 2$. Des vrais vernis à ongles de qualité, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je suis tellement, je vais le dire, là, je suis une snob du vernis à ongles. Il y a beaucoup de youtubeuses beauté qui vont parler des vernis à ongles et qui vont dire que des marques, par exemple, comme Revlon, Opi, etc., Essie, c'est de la qualité. Pour moi, c'est pas de la qualité ces marques-là. C'est quasiment de la marque. Je ne mettrai jamais ça sur mes ongles. Le seul produit Revlon que j'utilise, c'est leur base transparente. Et je trouve ça plate parce qu'avant, ils avaient une base qui s'appelait Naturelle. Et c'était pas exactement la même chose que le Clear, qui est simplement la base transparente. Le Naturelle, il y avait un petit teint rosé dedans. Et vous allez me dire, ça n'a aucune importance parce que tu le mets en dessous de ta couleur. Mais je ne sais pas pourquoi, il était de meilleure qualité que le Clear. Et ils ne le font plus. Moi, à chaque fois que je m'intéresse à un produit, que je deviens une accro d'un produit, il devient toujours discontinué. Ça arrive avec ma sorte préférée de bonbons, ils ont arrêté de les faire. La sauce HP aux fruits, ça n'existe plus. Tout ce que j'aime, ça passe de mode. Ça va être trop hot, là. Tellement à la mode que c'est pas à la mode, là, c'est genre. Tu vois, genre. Fait que tout ce que j'aime, ça finit par discontinuer. La raison pour laquelle je suis si exigeante, une fois que tu as bu du champagne, tu peux pas retourner à boire du 7-Up. Tu comprends? Quand tu as connu la qualité supérieure. Mary! Quand tu as connu la qualité supérieure, c'est comme quand tu as conduit une Buick, tu peux pas vraiment t'acheter une Lada après ou une Honda Accord, tu sais. Quand tu as eu une Buick Roadmaster, ben, tu peux pas vraiment aller en dessous. Quand tu as eu une Cadillac de ville, tu peux pas vraiment aller t'acheter une Camry après, tu sais. Tu vas faire comme, ah, j'ai donc bien régressé dans la vie. Désolée pour les conducteurs de Camry. Si la Camry, c'est ta première voiture, tu vas te couper, tu vas trouver ça hot. C'est pas pire une Camry. Là. C'est mieux que plein d'autres. C'est mieux une Tercel. Mais, hey, on est rendu qu'on parle de char. On est rendu loin, là. Je ne conduis pas, mais je connais beaucoup sur les automobiles. Et j'ai commencé à 14 ans à me mettre du vernis à ongles. Mais c'est pas du vernis à ongles que je me mettais. La plupart des petites filles, quand ils commencent à se maquiller, ils prennent le maquillage de leur mère. Ils prennent les vernis à ongles de leur mère. Moi, ma mère était plus là. Mon père ne portait pas de vernis à ongles. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le tiroir de la cuisine? Ben, il y avait un petit flacon de peinture automobile à retouche. General Motors. Bleu, moyen, métallisé. Alors, qu'est-ce que tu penses que je faisais avec ça, moi? J'avais les ongles les plus hautes en ville parce que c'était de la peinture à auto. C'est de la peinture automobile, donc tu peux imaginer à quel point que c'était métallique et brillant et nocif pour la santé. Il y a du toluène là-dedans, mais bon, à 14 ans, je n'étais pas consciente. À un moment donné, je me suis rendu compte que, ouais, c'était difficile à enlever, puis ça laissait des taches sur les ongles, donc j'ai commencé à mettre la couche de base. Et j'ai constaté qu'il valait mieux en mettre deux couches qu'une. Mais quand tu mets deux couches de base, ça allait. Et ce qu'il y a quand tu mets deux bonnes couches de base, Revlon, tu les laisses sécher. Tu dois laisser sécher la première. Hey, on parle de vernis à ongles, il y en a qui vont décrocher. Là. On va perdre nos auditeurs masculins, et en plus que 65% de mon auditoire, c'est des gars. Là. Restez avec nous, ça sera pas trop long. On parle de char en même temps, là. C'est vrai que les deux sexes ils sont intéressés. Tu vois, je vais te l'enlever devant toi, là. C'est super facile. Tu sais, d'habitude, du vernis à ongles, si tu mets pas de base ou si tu mets une couche de base,
plus ou moins de qualité, ou même si tu mets juste une épaisseur, une couche de base de qualité, ben, ça va être très difficile à enlever, puis tu vas être obligé d'utiliser du nail polish remover, c'est de l'acétone. C'est exactement la même chose que du paint thinner, c'est de la térébenthine, et tu devrais vraiment pas te mettre ça sur les doigts. Parce que même si tu dis que c'est les ongles, c'est une partie de ta peau. Ça absorbe quand même, et tout ce que tu mets sur tes ongles va finir par rentrer dans ton bloodstream et dans ton organisme. Pas aussi vite que si tu l'avalais, mais quand même. Après des années et des années, ça fait pas du bien. Alors regarde comme c'est facile. Ça s'enlève comme une pure de banane. T'as pas besoin de frotter, t'as pas besoin de mettre aucun produit. Et après, tu laisses tes ongles respirer une nuit au complet. Tu peux mettre une crème hydratante et le tour est joué. Et saviez-vous qu'une de mes questions qu'on me pose le plus souvent, donc une de mes frequently asked questions dans le top 3, c'est est-ce que c'est des vrais ongles? Et oui, they are real and they are spectacular. Aussi parce que j'ai aussi une bonne technique, je sais comment bien me limer les ongles, je me fais une belle shape, en tout cas c'est tout un art d'avoir des beaux ongles. Et la plupart des gens aujourd'hui, ils ont de faux ongles qui se font poser, donc il n'y a aucun mérite à ça. Alors que moi, c'est vraiment un art. J'y mets le temps et la technique pour le faire. Et j'aime ça faire mes ongles, j'aime ça prendre le temps de les faire. Et il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que quand je me lève le matin avec une nouvelle couleur que j'ai faite la veille, parce que souvent, je les fais le soir pour que ça ait le temps de sécher et que je ne sois pas en train de faire quelque chose et de toucher à quelque chose pendant que ça sèche, parce que sinon, ça risque de faire des entailles, des coches, et ça sera pas droit, ça sera pas beau. Quand je me lève le matin, j'ai une nouvelle couleur, ils sont frais faits, ils sont beaux, ils sont magnifiques, j'adore. Je sais pas, ça booste un peu à la confiance en soi, moi j'adore un bon vernis à ongles. Donc j'ai porté des couleurs de peinture automobile très très longtemps. Donc j'ai commencé avec la couleur du char à mon père, qui était le bleu moyen métallisé, un Buick Regal. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller au Canadian Tire. Oui, c'est pas une joke, c'est vrai. J'allais au Canadian Tire, dans le rayon des peintures retouches à auto. Et j'essayais d'autres couleurs. Alors, je portais souvent du or, du argent et plusieurs nuances de bleu ou de gris. Métallisé, toujours. Donc, des fois du vert. Pourquoi je n'en porte plus aujourd'hui? C'est parce que vous avez probablement remarqué que les couleurs des voitures ont beaucoup changé en 30 ans. Les couleurs qu'il y avait avant, il y avait beaucoup de bleu, il y avait beaucoup d'argent, il y avait des belles couleurs. Moi, je trouve que les couleurs d'auto aujourd'hui, mais c'est de la chenoute, c'est tellement laid. La moitié des chars sont noirs ou un genre de vert beige plate. Les couleurs d'automobile aujourd'hui sont tellement plates. Il n'y a plus une auto bleue. Je cherche une auto bleue aujourd'hui, mais un vrai bleu, un bleu comme ça. Là. Un bleu comme ça, un bleu moyen métallisé, tu sais, de quoi ça a l'air. Ou c'est même un bleu minuit, là. Tu trouveras pas ça. Il n'y a pas d'auto. Je cherche une auto 2023 qui est bleu minuit. Tu ne trouveras pas, là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, à un moment donné, les choix de couleurs devenaient de moins en moins intéressants. Donc, j'ai recommencé à me tourner vers du vrai. Dernier à ongles, et j'avais découvert une compagnie, ça s'appelait Juliette. Ils avaient du vernis à ongles vegan, super bonne qualité, la texture, le rendu, le fini, c'était superbe. Il y avait des crèmes, des métalliques, et j'adorais cette compagnie-là, et malheureusement, ils ont fait faillite. Avant qu'ils fassent faillite, je pense qu'ils ont fait faillite en 2018. J'avais fait une grosse réserve, j'achetais toutes les couleurs que je pouvais avoir. Mais à un moment donné, je suis passée à travers de mon stock. Et en 2021, j'ai commencé la grande quête pour me trouver une autre compagnie de vernis à ongles qui pourrait subvenir à mes besoins très spécifiques, mes critères très exigeants. Et honnêtement, quand j'ai commencé à chercher, je me suis demandé si ça existait. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à trouver une marque de vernis à ongles qui va être assez métallique, qui va être assez résistant, parce que moi j'en fais des affaires, là, je tape à la machine à écrire, je fais des réparations, je lave ma vaisselle à la main, je pèle de la neige, tu sais, je suis tout le temps en train d'utiliser mes mains.
Donc, il faut que ce soit quand même assez résistant aussi, puis il faut que ce soit beau. Les ultra métalliques, moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu les couleurs, j'ai vu de quoi que ça avait l'air sur les photos, j'ai vu les noms. Ultra métallique, ultra chrome, j'ai fait. Ok, j'ai trouvé et j'en ai essayé et oui, ça convient parfaitement. Donc, j'ai adopté cette marque de nail polish. Ça s'appelle ELNP. Et donc, je me suis fait plaisir, je me suis fait un haul de nouvelles couleurs. Si vous voulez que je vous montre dans ma chambre les couleurs que j'ai déjà, j'avais déjà une douzaine de couleurs de cette compagnie que j'ai utilisées en alternance au cours de l'année, depuis 2021-2022. Et si vous regardez mes vidéos au cours de ces années-là, vous allez voir les différentes couleurs que j'ai portées. Et là, je porte le Zero Degrees, qui est un ultra métallique magnétique. Maintenant, on va voir les nouvelles couleurs! Wouhou! C'est du vernis à ongles. Et je me suis vraiment fait plaisir. J'en ai commandé 18. 18 bouteilles de vernis à ongles. Ça devrait me durer un bout de temps. Donc, même si eux autres aussi font faillite, ben, j'aurai en avoir pour au moins 2-3 ans. J'espère que non, mais on ne sait jamais. Parce que, comme je te dis, ce que moi j'aime, ça ne plaît pas à tout le monde. Prends pas de chance avec ça. Puis, tu sais, j'avais envie d'essayer plusieurs couleurs. Donc, j'aime ça changer. Et regarde, ça vient dans une belle petite boîte. Ça fait longtemps qu'on blablate, hein? Ça va être long comme vidéo. Voilà. Ça se présente comme ça. Il y en a 5 par boîte. Chaque flacon vient dans sa propre petite boîte. Qui est très cute parce que regarde, il y a une petite ouverture en forme de cœur où tu peux voir la couleur. Et une autre chose que j'adore, c'est les noms de couleurs. Est-ce que ça doit pas être cool de faire ça comme métier? Choisir les noms de couleurs. Honnêtement, on devrait faire une vidéo. On va chez Kanak, on prend des échantillons de couleurs de peinture et on choisit les noms des couleurs. Et après, on regarde si ça a un rapport quelconque avec le vrai nom de la couleur sur le bout de papier. Et on devrait vraiment faire ça, ça serait hyper cool comme vidéo. Et ensuite, on pourrait prendre vos suggestions. Pour les couleurs. Eh oui, je vais faire ça, ça va être le fun. Moi, j'adore les couleurs. Moi, les couleurs, ça me fait vraiment triper. Alors, plus, tu peux le voir, c'est écrit sur la bouteille. ELNP, c'est du Ultra Premium Nail Polish. Alors, c'est pas n'importe quoi. Si c'était du champagne, ça serait du Cristal Roederer. Ça serait pas de la Veuve Clicquot. Parce que je peux-tu te dire que la Veuve Clicquot, il y en a qui pensent que c'est le summum là, du champagne, parce que c'est connu, là. La Veuve Clicquot, c'est de la piquette. J'en buvais avant, before I knew better, quand je connaissais pas trop ça. Je commençais à dabbler dans le champagne. La dernière bouteille que j'ai achetée en 2009 n'était pas buvable, c'était tellement mauvais que je l'ai vidée dans l'évier sans la boire. 75$ la bouteille. 75$ pour une bouteille de champagne, là, c'est rien pour toi. Si tu veux te payer du champagne, prends du Dom Pérignon au moins. Prends du Mouette et Chandon, qui n'est pas si cher que ça, qui va être pas mal meilleur que de la Veuve. Ou, si tu as les moyens, ou si c'est pas toi qui payes, Cristal Roederer. Meilleur champagne. Oui, je suis une experte en champagne en plus. On apprend des choses. Alors, waouh, c'est un magnifique. Moi, j'appellerais ça quasiment un caramel. C'est un orange. C'est un doré orangé ambré. Il est vraiment magnifique. Alors, il s'appelle Amber. Pour son nom. C'est sûr que là, je trouve qu'à la caméra, la couleur, ça ressort pas aussi bien que ce qu'on voit avec nos yeux. Mais franchement, wow! Ça va être très beau, une belle teinte d'automne. Et moi, comme vous savez, j'adore l'orange. Alors, ça va aller bien avec mes palettes de couleurs. T'es où, Mary? Il est pas sur la chaise, il est comme en haut là, c'est une nuance grise. Puis, il y en a plein là, tu sais, j'en ai 18. Il y en a certains que j'en ai pris deux de la même couleur, mais il y aura au moins 13-14 couleurs différentes. Alors celui-là, c'est Dear Santa. Oh ouais, il était pour Noël, ben là, ça va être Noël l'année prochaine. Non, il est en fort. Oh, mais c'est pas vraiment un rouge. C'est pas un rouge comme on s'y a. Tu sais, on peut aussi voir les couleurs mieux que ça. Ah oui, on va mairer en plus. Ah, bébé! Je vais checker en même temps sur le site pour vous dire c'est quoi exactement, parce qu'il y en a c'est des ultra métalliques, il y en a c'est des ultra chrome. C'est quoi la différence entre un métallique et un chrome? Ils sont toutes les deux métalliques, métallisés, mais les chromes sont un petit peu plus lisses.
d'apparence. C'est comme si tu avais une plaque de métal bien lisse. Et les métalliques sont un petit peu plus... c'est comme s'il y avait des cristaux de métal dedans. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais je les sais tous pas par cœur et c'est pas écrit dessus. Donc je vais checker sur leur site en même temps pour vous donner des informations. Il y en a même certains qui sont holographiques et magnétiques. Le premier qu'on a vu, le Amber, c'en est un magnétique. Pareil comme celui-là, donc très très métallique en apparence. Et ils ont une espèce de petit aimant que tu peux passer dessus. Et apparemment, ça fait encore plus d'effet, ça devient encore plus brillant. Mais moi, je trouve qu'il est déjà assez brillant au naturel. Comme j'ai pas besoin de faire une autre étape, là, on frappe dessus, il y a encore plus de brillance. Là. Si vous voulez flasher encore plus, tu sais, mettons, je sais pas, t'es une drag queen, puis tu veux y aller all out, achète-toi un magnétique avec la petite brosse à mettre par-dessus, puis tu vas flasher, on va te voir d'autre bord de la rue. Et ça irait très bien, par exemple, t'es habillé en orange, teinte d'orange plus foncé que ça, t'as du vert, même du violet. Ça, c'est vraiment dans mes palettes de couleurs. Moi, j'adore les couleurs secondaires. Je suis pas couleur primaire. Et je ne porte jamais de vernis à ongles rouge, blanc ou noir. Ce sont des couleurs que je trouve que c'est archi laid. Je trouve que ça va pas du tout avec le ton de peau, surtout pas le mien. Alors, je ne porte pas ça. Et je porte pas de teinte neutre non plus. Je porte pas de teinte chair. Je porte une teinte bold. Couleurs qui clashent, quoi. Donc quand j'ai vu leur palette de couleurs, je me suis dit yes, ça fit avec mon style. Le Amber, on dit c'est une teinte ambre chaud, ultra métallique magnétique. On passe au suivant. Dear Santa, je trouve pas ça rouge. Moi je trouve que c'est plutôt mauve. C'est genre bordeaux avec un undertone vert. C'est quasiment un rouge hyper foncé tirant sur le mauve avec des reflets verts. D'après moi, c'est un ultrachrome. Ai-je raison? En effet, c'est un duochrome. Il y a comme deux couleurs dedans. Donc, quand tu bouges ton ongle, tu vas voir des fois des reflets plutôt rouge foncé, tu vois, des fois des reflets plutôt verts. Là, c'est sûr que dans la bouteille, ça paraît moins que si je l'avais sur les doigts. Il dit que c'est un bourgogne profond duochrome. C'est rouge très, très foncé. C'est leur interprétation, eux autres, de Santa. Au lieu de te mettre un rouge Coca-Cola, ça serait beau aussi à Noël. Durant tous mes vlogmas, j'ai porté le vert Reminisce, qui est un ultra-métallique vert à undertone violet. Il était très, très beau aussi, mais j'en avais pas de rouge, parce que je l'avais pas déballé encore. Celle-là, je l'aurai pour l'année prochaine. Magnifique! Mais ça, c'est pas vraiment une couleur que je porterais à tous les jours. Je pourrais le porter justement à Noël, ou lors d'une occasion spéciale, là, si je portais quelque chose irait avec cette couleur. Tu vois, si je portais cette couleur-là sur mes ongles, je m'habillerais en bleu nuit et crème. Bon, c'est ça les couleurs que je portais. Je m'habillerais pas en rouge. Ça va être très long. Il y a plein de monde qui vont décrocher, mais bon, je m'en fous. On sait pas. Ça pourrait être ton vidéo le plus populaire à vie. Ça pourrait être ça qui devient viral. Je veux dire, il y a des milliers de personnes qui écoutent des vidéos de monde qui testent du rouge à lèvres. Bon, ça c'est celui que je porte en ce moment, je pense, le Zero Degrees. Oui, c'est ça. Donc j'en ai pris une deuxième. Je le trouvais tellement beau, j'ai fait waouh, j'en veux un deuxième. Ça non plus, je porte pas souvent de bleu parce que je porte pas souvent de vêtements bleus. J'ai pas vraiment de bleu dans ma garde-robe parce que, comme je te dis, moi je suis pas couleur primaire, je porte pas de rouge non plus. Et avant, je portais beaucoup de jaune, mais là je suis un peu moins jaune. Je vais porter du jaune en conjonction avec une autre couleur, avec du orange ou du vert. Une couleur voisine sur la roue chromatique. Donc, c'est très rare que je porte, surtout un bleu comme ça. Moi, le seul bleu que je porte, c'est genre du bleu hyper foncé, bleu nuit, ou du bleu gris. Je trouve que ça fait tellement bien pour l'hiver. C'est tellement une couleur, ça fait carnaval de Québec, ça va avec la neige. Je trouve que ça fait bien pour commencer l'année. Ça fait hiver comme couleur. Dans ma tête à moi, là, ça fait peut-être du sens juste pour moi. Et c'est un ultra métallique magnétique. Suivant! Je pense que ça fait 1 heure que j'enregistre. Ouf! J'ai hâte d'arrêter de parler. Hey, ça fait 1h20! Ouf! Il n'y a pas grand-chose que je peux couper là-dedans. Le prochain, Fur Coat, mais Fur F-I-R, comme un sapin. Et je suppose qu'il est vert. Oh oui! Oh! Ça, c'est un vert ultra-métallique. Donc, tu vois que le ultra-métallique, par rapport au ultra-chrome, tu vois la différence? Il est un petit peu plus pailleté. Lui, il est plus lisse. Il est plus dans les reflets.
Tandis que lui, c'est vraiment du shimmer, c'est vraiment les petites particules métalliques qu'il y a dedans qui font que ça brille. Donc ça, c'est un vert forêt profond, ultra métallique. Aussi, pour Noël l'année prochaine, ça va être génial. Ouh, je vais pouvoir changer de couleur. Parce que j'ai pas changé de couleur et j'ai porté ce vert-là tout le mois de décembre. Donc, j'avoue qu'à un moment donné, j'avais hâte de changer, mais j'en avais pas d'autre qui fitait avec Noël suivant. Notre boîte. Et je commence à plus avoir de voix. Oh mon dieu, il est beau celui-là. Oh, ça, je pense que ça va être notre prochaine couleur. C'est aussi un ultra métallique. Violet. Deep blue. C'est quasiment un ultra violet. C'est un violet indigo très, très foncé. Midnight Kiss. Mais ça porte bien son nom. Ça fait bleu mini. Il y a une petite touche de cobalt, je trouve, dedans. Il est quand même lumineux, même si c'est une couleur très foncée. Donc ça, c'est le propre des ultra métalliques, c'est que tu peux porter des couleurs très foncées et ça flash quand même. Alors, celle-là, ça va être la prochaine. Je vais enlever celle-là puis je vais passer à celle-là. Suivant. Ici, nous avons Sundown. Et puis, je pense que c'est un genre de orange. Ah non? Ben oui, mais il est très pâle. Il est. Est-ce que ce serait un crème? C'est un shimmery crème. C'est surprenant que j'ai écrit ce teint-là. Les photos sont pas mal fidèles à ce à quoi ça a l'air. Ah, c'est un holographique. C'est pour ça qu'il est un peu différent. C'est un holographic shimmer pêche dorée. Moi, ça, c'est pas le genre de teinte que je suis habituée de prendre. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Pas trop. Ça fait un bout que je les ai commandés puis qu'ils sont dans la boîte puis je les ai pas ouverts. Je me souviens pas de toutes les teintes. J'en ai commandé une quinzaine. Celui-là, il s'appelle Teacup. Et il a quasiment l'air blanc. Celui aussi, il a l'air très pâle. Mais moi, des fois, j'aime ça aussi porter des couleurs pâles, un peu qui flashent. Comme du vert menthe, très pâle, du lilas, du lavande, pâle. Oh my god, oui, oh oui, il est beau celui-là. Oh. C'est un genre de vert menthe très pâle, laiteux, avec des petites paillettes dorées. J'en avais un de la collection Julep qui ressemblait un peu à ça, mais ça faisait plus genre crème glacée, menthe et pépites de chocolat, chocolate chip mint. Ice cream, c'est super beau. Et celui-là, c'est un peu la même chose. Et ça aussi, l'hiver, c'est superbe. C'est un Antique Pastel Mint Speckled. Donc, c'est un vert menthe pastel antique tacheté. Un très bel effet. Quand tu dis que tu as une couleur de base et tu as des petites granules d'une autre couleur. Dans une couleur pâle, c'est très difficile à obtenir. C'est pour ça que le monde il me demande si mes ongles, c'est mes vrais ongles. Parce que souvent, j'ai des couleurs qui sont comme « Wow, out of this world ». Je me fais arrêter dans la rue par le monde parce que je suis comme en train de me gratter à la face. Hein, ou tu sais, je suis en train de fumer. Puis le monde, il remarque mes ongles puis ils font « Hein, c'est-tu des vrais ongles? T'es allé où pour les avoir? C'est quoi ton dernier ongle? » Je me fais accoster par des étrangers dans la rue. Me faire demander ça. Je pense que je l'ai pris à cause du nom, parce que le nom c'est Isabella, donc c'est mon nom avec un A à la fin. La couleur est cool aussi, c'est un genre de bleu-vert ultra métallique shimmer. Il est un peu, on dirait presque qu'il y a de la texture dedans. Il est vraiment intéressant. J'ai hâte d'arrêter de parler. Oh, c'est un bleu pétrole holographique. Pétrole blue. Ouais, c'est ça, on dirait qu'il y a comme des traces dedans. Passe d'huile quasiment. Ça aussi, ça va être intéressant. Plus une teinte d'automne. Ça, c'est ma perception personnelle. Un autre Midnight Kiss, la même affaire. Fini. Il me reste encore deux boîtes. C'est long, hein? J'ai fini. J'en ai juste trois dans celle-là, un des cinq. Celui-là s'appelle Olive Grove. Alors, il doit être vert. Une couleur que j'adore aussi. Un ultra métallique, très, très bien granulé. Avec une légère teinte jaunâtre. C'est très beau aussi quand tu portes du vert, du orange, tous les teintes de brun, de marron. Il y a une petite teinte de brun aussi. On la voit bien sur les photos des ongles. Sauf que dans une bouteille, oui, c'est la couleur, mais c'est pas exactement ce que ça donne sur l'ongle. Comme par exemple, si tu regardes, c'est pas exactement la même chose. Ça ressemble vraiment. C'est un vert militaire rustique shimmer. Ah, c'est juste un shimmer, c'est pas un ultra métallique. C'est vrai qu'il fait très glitter. Shimmer, c'est comme du glitter, mais c'est beaucoup plus fin. Tu
Donc, les grains sont beaucoup plus petits que des grenières ou glitter comme tel. Là. Je préfère ça, le glitter, je trouve que les grains sont trop gros. C'est mouillé finement, si on peut dire. Est-ce que vous me suivez encore? Est-ce que vous avez une idée de ce que je dis ou je parle chinois? Le prochain, oh, c'est un petit verre flash. Ça s'appelle Playlist. Je dirais même, est-ce que c'est un fluo? Parce que oui, ils ont des vernis à ongles fluorescents qui brillent dans le noir. Alors, ceux qui aiment ça aller dans les bars, là, flasher là, en dessous du black light. Là. Oui, c'est un néon. Je vais pouvoir mettre ça pour aller aux Numbers, au karaoké. Alors, c'est un vert néon glow in the dark avec des reflets quasiment jaunes. Un vert lime très flash. Ça, c'est une couleur d'été. C'est un Glowing Neon Lime Cream. En plus, il y a un fini crème. Oh, ça va être magnifique, ça, parce que les fini crèmes, c'est extrêmement lisse, c'est extrêmement glossy. Comme le High Dive, une de mes couleurs préférées, fétiche à vie, c'est mon mauve pâle, là, lavande, que je mets presque tout le temps. Si tu regardes mes vidéos du début de l'année 2022, je pense que dans les vidéos des premiers 6 mois, là, c'est tout le temps cette couleur-là que j'ai sur les ongles. Parce que j'adore. Suivant, je me suis gâtée. Hein? Alors, celle-là, le nom, c'est Sleigh Bells. Alors, encore un spécial Noël. Alors, c'est un argent légèrement rosé. Et je dirais que ça aussi, que c'est un ultra métallique. C'est un argenté, mais il y a une petite teinte rosée dedans. Très pâle, très pastel. Lustrous Champagne ultra métallique. Donc, eux, ils appellent ça un champagne lustré. Ah ouais, tu vois, moi, dans ma tête, un champagne, c'est beaucoup plus doré que ça. Et ça fait gris-rose. On n'a pas la même notion de champagne. Tu vois, peut-être que ça, c'est du monde qui boivent de la Veuve Clicquot. Next! Ça aussi, ça va être pour le temps des fêtes. C'est la couleur parfaite pour un réveillon du jour de l'an. Le dernier, il en reste 5. À moins qu'il y ait des repeats. Je me suis racheté du High Dive, donc celui que je te parlais. Ça, c'est mon go-to. Si je pouvais choisir une seule couleur de nail polish, j'étais obligée d'en choisir juste une, porter toujours la même jusqu'à la fin de mes jours. Ça serait celui-là. Alors, c'est un lilas violet lavande fini crème. Comment ils le définissent? Un Vibrant Blue Violet Cream. C'est très crémeux, c'est très glossy comme fini. Quand tu vois le fini sur l'ongle, ça ressemble à du crémage de gâteau. Quand t'achètes un beigne, là, glaze, là, glacé, ça a l'air de ça. C'est laqué, c'est envie de les manger. J'en ai acheté 2. Il nous reste 3 couleurs à découvrir. Non, et en plus, il y a un autre teacup. J'en ai acheté 2. C'est celui que je te disais que c'est rare, là. Juste parce qu'une couleur est disponible en ce moment, ça veut pas dire qu'elle va l'être pour toujours. Donc, si tu vois une couleur que t'aimes, puis tu trouves qu'elle est un petit peu spéciale, puis on ne va pas en trouver ailleurs. Achète-en quelques bouteilles parce que peut-être qu'après un bout de temps, il n'y en aura plus. Et s'ils n'en vendent pas beaucoup, ben, ils n'en font peut-être pas d'autres. Donc, j'en ai acheté deux. Il nous reste 2 couleurs à découvrir. Avant-dernière, Good as Gold. Okay, ça va être un petit doré. Oh, c'est un doré pailleté avec des accents. C'est quasiment jaune banane. Oui. C'est un jaune doré. C'est pas jaune canarie. Tu comprends? C'est vraiment flash. Ça plaira pas à tout le monde. Je pense même que ça va déplaire à plusieurs. Là, qui vont dire, c'est donc ben laid. Je porterai jamais ça. Mais c'est parce que ça fait pas avec votre style à vous. Chacun son style. Moi, c'est ce genre de couleur-là que je porte. Si vous écoutez mes vidéos, vous allez vous en rendre compte que mon style, ça clash pas mal avec la plupart du monde. Alors, c'est un doré saturé holographique ultra métallique. Fait qu'il est ultra métallique, il est holographique et une couleur, comme je te dis, très saturée. Tu vois qu'il y a quasiment un overdose de couleurs. C'est quasiment couleur curcuma avec des paillettes d'or dedans. Tu vois à quel point c'est jaune. Le curcuma, c'est intense comme jaune. Ça, c'est un peu comme ça. Ça, je mettrais ça l'été. C'est une couleur d'été, début d'automne. Magnifique! Et suivant, le dernier. Hey, je suis vraiment contente de ma récolte, là, franchement. Et c'est des tons très différents de ce que j'avais acheté la dernière fois. La dernière fois, c'était pas mal des verts, des oranges, des violets, des mauves. Et là, je suis allée vraiment dans des bleus, des dorés, des verts vraiment flash néon au super pastel. Des couleurs un peu qui sortent de ma palette régulière. Et le dernier, The Boulevard. Bon, c'est quelle couleur un boulevard? Ben, moi, quand je pense à un boulevard, je pense à la couleur de l'asphalte. C'est un bleu, c'est un charcoal, c'est un bleu très foncé, accent anthracite. C'est quasiment charcoal, c'est comme un bleu gris, très foncé.
C'est spécial comme couleur quand même. Mais lequel? Le boulevard Saint-Laurent? Le boulevard de Maisonneuve? Sunset Boulevard? On ne dit pas c'est lequel. Alors tu vois, sur la photo, il a l'air un peu plus gris. Vraiment charcoal. Quand on regarde la bouteille, on a des reflets bleutés. Mais peut-être que sur les ongles, ça va être un petit peu plus foncé, un petit peu plus gris foncé que charcoal, vraiment anthracite. Et eux autres, ils appellent ça un slate gray shimmer. Un gris ardoise shimmer. J'ai hâte de l'essayer celui-là aussi. Ça aussi, ce sera une couleur automne. Bon, j'ai fini. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo déballage de cadeaux. Là, j'ai vraiment fini. Mes vlogmas sont finis. Mes vidéos de Noël sont terminées. Fait que je pourrais plus mettre de musique de Noël dans mes vidéos. Va falloir que j'aille me trouver d'autres tunes sur Epidemic Sound. J'étais tellement habituée d'avoir ma playlist avec les musiques de Noël depuis un mois. Mais bon, ça fait du bien de changer de beat. Regardez-moi le bordel. Alors ça, c'est notre récolte 2023 de nail polish. Je pense qu'il va falloir que je m'achète une autre tablette. Parce que oui, au cas où vous ne sauriez pas, vous devez vous en douter. J'ai une tablette dédiée pour mon vernis à ongles dans ma chambre, évidemment. Et elle est presque pleine. Donc ça, ce sont mes vernis Julep, donc de la compagnie que j'avais avant, mais ils sont tous épuisés, rendus au fond de la bouteille, ils sont séchés. J'y garde par nostalgie, en souvenir. Ça, c'est celui que je te parlais qui faisait Chocolate Chip Mint. C'était superbe. Et cette couleur-là, c'était ma préférée, que j'ai remplacée par le High Dye. Et ici, on a toutes mes autres teintes que j'avais achetées en 2021. Il y a quand même un Hot Pink que j'avais pris surtout à Vancouver. Des fois, je m'habille en rose de la tête aux pieds. Et je voulais quelque chose qui pouvait fitter avec ce look-là. Sinon, t'as un mauve ici avec des reflets verts. T'as des oranges, des verts, puis des mauves. Alors là, ben, je vais m'acheter une autre tablette. Mettre les autres en haut. Alors, on espère que vous avez apprécié notre programmation de Noël avec nos vlogmas quasi quotidiens. Moi, j'ai bien aimé les faire. C'est un bon exercice aussi. Ça m'a encouragée, ça m'a inspirée à persévérer dans ma chaîne YouTube. Des fois, ça peut être décourageant quand on est encore une petite chaîne. Je ne désespère pas. Je me dis oui, un jour, ça va m'arriver. Bon, ça ne sera peut-être pas en 2023, mais un jour, on va s'y rendre. On vous remercie d'avoir été des nôtres. Hey, qu'est-ce que t'as fait là, bébé? T'as tout fucké notre village. Oh non! Look! Looks like a hurricane went through there. What the hell? T'as tout saccagé notre village, bébé. C'est qui a fait ça? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on a beaucoup de cool contenu qui s'en vient. Et en 2023, on va poster une vidéo chaque vendredi, sans faute. Yeah!